est en direction de la roche. Et dans quelques instants, dans les arbres. What happened to the summer? It's swimming around my feet. There's something around the corner. It's watching every move. On est à la recherche du coup pas de l'endroit pour faire la croque branche. Étant donné qu'on ne pouvait pas tourner avec la voiture, donc nous sommes à la recherche de la rue de l'église pour plus d'informations. Hey, il est possible qu'on soit en retard en fait, que ce soit pas la bonne heure. Donc on se retrouve à marcher jusqu'au parc aventure pour savoir si on a encore une chance de faire l'acrobranche aujourd'hui. Sinon, peut-être demain. Décidément, déjà la première fois, on n'avait pas eu de chance. Mais en plus, si on force celle-là, si on peut être prise, on appelle Dieu de qui? De l'acrobranche. Okay. Mais regarde le système des cerceaux. Les cerceaux qui sont juste dans là. Le premier niveau. Après, t'as une tyrolienne. Non, franchement, les tyroliennes, ça me... Je sais pas toi, mais ça me tente. Ah, mais tu me prends face à mes interrogations. Oui. D'ailleurs, Maud, qu'en est-il? Qu'en est-il de mes interrogations? Non, de l'aventure qu'on est censé faire normalement. Maud n'a pas... voilà. C'était une idée. T'as compris. Bah en fait on est tombé sur le moniteur qui nous a un peu expliqué le parcours et du fait que on s'était un peu trompé dans les heures. Je devais fermer à 18h. Finalement on va vous emmener plus demain qu'aujourd'hui parce que... Parce qu'aujourd'hui on est un peu dans la connerie, donc vous voyez un bug. Enfin moi, hein. Toi aussi apparemment. Voilà, on reviendra demain matin. À demain. À demain. Alors là, on est en train de se faire un petit dommage de l'amour maintenant, avec du sucre, du miel et de l'avocat. Oui, on va mettre ça sur notre visage. On va pouvoir manger notre visage comme ça. Alors, c'est agréable ou pas? Oh oui, c'est agréable. On a perdu le monde, c'est foutu. C'est le matin, il est pas encore 11h en fait. On s'est couché super tard. Oui. On a passé une excellente soirée. Oui, on a cuisiné jusqu'à une heure. Oui, et gâteau. Apparemment, nous sommes les deux seuls à avoir réservé pour 11h. Du coup, on a peut-être moyen de faire tout le parc. Oui, on s'est cuisiné du Enfin voilà, c'est juste que le temps est un peu plus triste aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de soleil. J'ai peur d'avoir froid. Oui, le temps est triste, mais nous sommes en excellente forme. Ah oui. Aussi. Je crois qu'on a tellement hâte de faire de l'acrobranche qu'on s'en tape. Qu'est-ce que tu manges, moi? Du chihuahua. C'est, je mange pas, c'est pour mes dents. Je connaissais pas. J'ai un moment de bug. Tu es en dedans? Non, enfin, pas de celui-là. Mais... C'est pour ça que tu mangeais, tu sais, du réglisse en bâtonnet. Là, j'aime bien les bâtonnets. Bah bref, on va bientôt arriver et on se retrouve dans les branches. My home is a girl with eyes.
tu es prête? Oui, tu te tiens à la corde et tu vas sur le pont de singe. Tu es un bébé singe, Roxane. Roxane fait son bébé singe. Et moi, j'attends patiemment. Voilà, tu montes l'Himalaya pour les Alpes. On est deux mousquetons, ce qui fait qu'on est deux fois plus sécurisé et qu'on ne craint rien en fait une fois qu'on est dans les arbres. À bientôt! C'était bien amusé, regardez-la. On fait un dernier parcours? Ah oui. C'est parti. Talking like we used to do. It was all. Ok, la difficulté est à son comble. Shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Et après, on terminera par ici, qui est une sorte en fait de chute libre. C'est le moment fatidique, le saut dans le vide. Regardez le saut dans le vide, quoi. Et on se chie un peu dessus. Oui, carrément. Ok, on revient de la chute et de la mort. Oui, moi, je suis très fière de moi. Oui, bah moi aussi, même si j'ai eu un petit moment d'hésitation quand même. Et je vous conseille de le faire parce que franchement, ça permet d'oser. Clairement. Ça travaille la confiance en soi. Okay. Et maintenant, on va acheter des chocolats. Oui, histoire de se réconforter un petit peu parce que je vous assure que la chute là-haut, en fait, ça vous laisse tomber comme si on sautait comme dans le vide. Croque, ouais, et ça freine vraiment à la fin, mais sur le moment même, c'est surprenant. On voit son pied dans le vide comme ça, on est là, ok, je vais crever en fait. J'avais très envie de le faire, et puis au moment même, comme j'expliquais à Maud, une fois que je veux me lancer, je me lance, mais j'ai une fâcheuse tendance à regarder après mon pied dans le vide, donc je recule en arrière et je me chie dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai atterri sur le cul sur la planche en haut. Finalement, le moniteur nous a motivés et on a fait le saut dans le vide. Et on a eu le cœur qui battait à 1000 à l'heure quand même. Hein. Mais bon, on est content en de fait, l'avoir c'est fait. Le début. C'est le début. Tu... Mais même le parcours en soi est hyper physique. Et continuer, ne pas regarder le vide. Et avancer. Et se lancer, oui, absolument. Maintenant, on va descendre un petit peu dans la ville. On va s'acheter des chocolats de l'amour. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Parce qu'on a enfin fait notre accrobranche, il était grand temps. Bon, en tout cas, si ça vous a plu de regarder la vidéo, ben, on vous conseille vivement de venir ici parce que c'est vraiment chouette. Et le moniteur est comme ça, il explique tout correctement. Et il est là près de vous. Donc voilà. Bon, on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Ouais. À bientôt. Moi, tu tournes définitivement en même temps. La fin est importante. C'est tellement drôle.